السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهيد مغتربة جزائرية تتكلم عن زيارة حديقة الحامة بالجزائر العاصمة، تابعوا معنا هذا الفيديو. On est arrivé devant le jardin des Sées. Ils sont vraiment incroyables. C'est un endroit très ancien et vous savez que c'est ici qu'ils ont tourné le film, le premier film de Tarzan. C'est vraiment magnifique, on dirait que tu rentres dans une forêt enchantée. En fait, dans ce jardin, ils ont planté des plantes du monde entier. Il y a même certaines plantes, certains arbres qui n'existent même plus dans leur pays d'origine et on les retrouve ici en Algérie en fait. Il y a par exemple même un arbre du Japon qui n'existe plus au Japon et qui est ici. Et même les Japonais sont venus pour demander à ce qu'on puisse rapatrier cet arbre-là au Japon. Il y a des hyènes aussi. Arwa. Go go Arwa. Go go. Arwa. Oui, il le caresse normal, il n'a pas peur pour sa main. Les petits chacals. Ah, il est content. Ça y est. Là, il sait. Mmh. C'est aussi des lions, mais par contre, les lions, ils font grave de la peine. Ils ont l'air vraiment malheureux. Ah non, ils sont pas malheureux. Mais regarde, c'est tout petit, ils ont pas assez d'espace pour eux là. J'ai trop mal au cœur, j'ai envie de pleurer. Ça me fait vraiment pleurer. En fait, on a demandé comment ça se fait qu'ils avaient des cages petites pour les animaux, les lions, etc. Et il s'avère qu'en fait, c'est une place historique ici. La demande a été faite, mais comme c'est une place historique et qu'ils ne pouvaient pas en fait, faire des modifications, ils doivent conserver le lieu tel qu'il est, donc les travaux étaient impossibles à faire. C'est un lieu très très ancien en fait, c'est un très ancien zoo. Ils mangent bien, machallah, ils ont mis des légumes, pris du thé, tout ça. Il est pas mal le zoo hein. Il est super, franchement, il est magnifique. En plus, il est atypique, il est encore resté comme à l'époque. Ouais, il y a beaucoup de choses à savoir. Les gens, si vous venez ici, demandez à un guide ou quoi pour qu'il vous explique un petit peu. Il y a une histoire dans ce zoo. Regarde cet arbre, comment il est incroyable. Je comprends pourquoi ils sont venus tourner le film de Tarzan ici. Il y a beaucoup de monde qui se promène vers ce bassin en regardant cette statue-là, en fait, sans savoir que cette statue, il n'en a que 2 exemplaires dans le monde entier. Il y en a une ici en Algérie et un autre en Chine. Et en fait, celle-là, c'est une réplique. L'original, ils l'ont enlevée parce qu'ils ont essayé de la dérober, elle a essayé d'être volée. Ils ont essayé de la voler par hélicoptère. Oh, regardez-moi ce poisson-là, ces poissons. T'as vu, Bruno, les poissons rouges au milieu là? Je suis dégoûtée, j'ai plus de batterie pour filmer le reste de la visite. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de venir visiter le jardin d'essai au moins une fois. Vous n'allez pas du tout être déçus. Et tant mieux que je ne vous montre pas tout comme ça, ça vous fera un petit peu de surprise. Voilà. Franchement, 100% venez, c'est incroyable. Deuxième balade sur les rues d'Alger. Vous êtes beaucoup à me dire que ça ressemble un petit peu à Paris, c'est à cause de l'architecture. En fait, c'est un style haussmannien parce que c'était construit pendant la colonisation française. Et tous ceux qui me disent « ouais, c'est la France qui a fait l'Algérie », bah non en fait, l'Algérie elle était déjà très très bien avant qu'ils arrivent et c'est les Algériens qui ont travaillé, c'est pas le français il était peinard chez lui hein. Ils ont fait avec de l'argent qu'ils ont pris aux Algériens, tu vois. Incroyable cette mosquée entre deux bâtiments comme ça là, je sais pas comment elle s'appelle. Incroyable la mosquée, magnifique, Mashallah. Mmh. Ouais, on a trouvé un petit local pas mal de pizza hein. Et apparemment il fait des bonnes pizzas, on va tester ça. Comme ça. Non, une comme ça. Ça s'appelle comment cette pizza là? C'est des pizzas carré. Pizza carré. C'est carré. Le fromage. On va tester les pizzas carrées parce que mon mari n'a jamais goûté encore les pizzas carrées d'Alger. Ils ont une sorte de pizza française. Tu veux quoi d'autre, papa? Ouais, c'est là. Gratiné, là. Hein. Ça a l'air incroyable, on va tester ça. Faites les Marta. Ça fait combien? 150 dinars. J'ai pris 3 paires de pizzas, 150 dinars. Bruno, tu vas monter des escaliers ici, il y en a un. En fait, Alger s'est construit en hauteur. Et quand tu rentres dans la Casbah et tout, il y a des escaliers partout, partout. Et d'ailleurs, les martyrs, ils se cachaient comme ça à l'époque, pendant la colonisation, dans les petites rues de Casbah et tout, les montées, etc. C'est pour ça
Les Algériens, on a un bon cardio, on est fort, on est sera, parce qu'on a les escaliers. Moment de dégustation, on va goûter la pizza gratinée et elle est farcie à la merguez avec du fromage dedans. Waouh, wow, elle est super bonne, ouais. On va goûter ça. Vas-y, vas-y, bismillah. Bon, il y a c'est 25 dinars. De la viande, ouais, c'est de la merguez. 25 dinars la part de pizza, ça fait combien, wesh? Non. Ça fait même pas 10 centimes. Non. Je te jure. Ah ouais.